c'est parti pour notre quatrième journée à Vegas. Donc on vient juste de sortir de l'hôtel et là on va aller louer une voiture parce que donc demain on a prévu de partir au Grand Canyon. Donc on va louer une voiture, on va passer l'après-midi comme ça à visiter un petit peu, à rouler, à être un peu plus indépendante parce que du coup avec le taxi c'est un peu chiant. Donc voilà quoi, c'est parti. Dans le Planet Hollywood Mall et on va aller à l'aéroport louer une voiture parce que c'est plus simple comme ça. Mercredi quand on part on a juste à la lâcher là-bas et puis on sera directement là-bas quoi. Donc voilà, sinon ils ont un peu coupé le Venetian là avec le plafond, mais bon, non mais pas le Venetian, le César Palace. Et là il y a plein de magasins aussi. Ouais, c'est vrai qu'il y a plein de magasins aussi. Hein. Ouais. Attends. Bon, sinon on a fait un stop chez Footlocker et ça dégénère. Il y en a marre. Pour les enfants, ils ont du choix. Hein. Ouais, pour les enfants, c'est mieux. Ouais. Ouais, les femmes bof. On prend le taxi en direction pour l'aéroport, donc pour louer une voiture. Parti, c'est parti. Donc c'est vraiment spécial ma tête aujourd'hui. J'ai la peau toute sèche. Il manque le champ pour moi. Donc ouais, on va chercher la voiture là. On va voir combien c'est. Ouais, donc on va se renseigner sur les prix et en fait on a décidé de la louer pour 3 jours. Parce que ça nous revient moins cher que de prendre, prendre le taxi tout le temps. Même si on a marché tout ça hier, mais ça sera plus pratique. Surtout que demain, on a prévu de partir toute la journée au Grand Canyon et tout. Donc, et au moins, on l'aura jusqu'à l'aéroport pour repartir mercredi. Quoi. Donc c'est parti. C'est parti. Ouais. Ok, on vient juste d'arriver à l'aéroport. Donc là, c'est le côté... spécial pour louer les voitures. Donc on va voir lesquels. On va voir, il y a plusieurs bureaux, hein, c'est ça? Ouais. Il y a plusieurs bureaux pour les louer, donc on va voir ce qu'il y a d'intéressant quoi. Bien sûr, il y a aussi des machines à sous à l'aéroport. Jusqu'au bout les gens. Bah n'importe quoi quoi. Donc voilà, là il y a plein de bureaux pour la location de voiture. Donc on va aller voir celui-là, dollar, et on va se renseigner quoi. C'est parti. Bon, là c'est bon, on a réussi à louer une voiture. Franchement trop cher parce que c'est spring break ici, donc du coup tout le monde est en vacances, tous les jeunes viennent et donc voilà, on va chercher notre voiture. Thank you. Merci. Thank you. Bye. 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 Bye.
Mais si, on a un mot. Donc c'est parti, on va choisir une petite. Non, on a pris une petite voiture. Hein. Donc là, on va aller la choisir, quoi. Et bah, du coup, ils nous offrent une upgrade pour gratuit. Donc on a le droit d'avoir une plus grosse voiture. Un pot de yaourt pour la grosse voiture. Voilà. Alors, on prend laquelle? Alors, on a soit le choix entre celle-là. Celle-là, c'est mort, non? Ok. Celle-là ou quoi? Vas-y, on prend celle-là. Ah, elle est belle aussi, celle-là, non? C'est la même, non? Vas-y, celle-là. Celle-là ou celle-là? Celle-là. On prend celle-là? Celle-là? Ouais. Ok, bon, on prend la Honda. Ouais. Raphaël. Oui, tu vois. Attends, c'est parti, c'est parti. Pourquoi je mets ça? On va y arriver. Drive. Où? C'est bon, c'est bon. Bon, c'est par où là? Exit. Donc là, on va. Non. Ok, c'est parti. On a la voiture. Le frein est très spécial. Il est hyper sensible. Le frein truc est horrible. On va finir en coup du lapin en 2 secondes, quoi. C'est improbable. Mais ouais, donc là on va retourner à Target faire des petites courses de bouffe parce qu'on a plus rien à manger chez nous. Puis on va ramener des trucs pour chez nous, quoi, des céréales et tout. Et ensuite on va retourner au mall, au outlet mall, pour faire des petits achats encore. Parce que là on a loué la voiture jusqu'à mardi matin. Donc vu que demain on va au Grand Canyon, on n'aura pas le temps de faire tout ce qu'on a à faire. Donc on va le faire aujourd'hui, une fois pour toutes, quoi, quand on est goûte. Donc voilà, attendez, là il y a un feu rouge. Attends, ne ferai pas maintenant. Moi je préfère le faire tout doucement. J'ai pour nous. Parce que là je vous explique le coup du lapin, quoi. Ouais, ça va là. Faut pas que tu vois que tu t'excites. Je m'en fous, quoi, le truc. J'ai jamais vu une voiture pareille, quoi. À peine tu touches le truc avec ton doigt. Mais le frein est horrible, on s'est déjà fait 10 coups du lapin là en 2 secondes. 10 coups du lapin, quoi. On va se casser le coup, on va rien comprendre. Donc voilà. Tu tournes à gauche, putain. Très bien, que tu tournes à gauche. Ouais, bon, faut qu'on se concentre avec nos conneries là. Parce que là, on a un GPS. Ah, m'en regarde pas. Ok, mais go ahead. C'est bon, on laisse. Attention, comment ça se passe? Non, non, c'est rouge, c'est rouge. Autant vous dire que c'est très spécial, nos conneries. Il est le quoi? Ouais. Donc là, on s'est trompé de route. C'est bon, normalement, on va pouvoir récupérer plus loin. Trop stressant le truc. Vraiment trop stressant, quoi. Stressant, quoi. J'ai envie de freiner. Je m'apprends, non. Je m'enchaîne pas trop là, je me freine pas trop parce que ça va être très spécial s'il faut freiner, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'elle dit là? Attends. Je crois que je peux aller prendre à gauche là, non? C'est trop mal barré, branlé le bordel aussi là. Non, faut... ça, c'est pas maintenant, non, c'est pas maintenant. C'est pas maintenant. Attends, va doucement. J'arrive pas à savoir si c'est maintenant ou pas. À mon avis, oui, non? Non, c'est pas maintenant. Continue, c'est pas maintenant. Je m'en fous, nous, quoi. Tu vas faire, en fait là-bas je crois qu'il y a un rond-point, il va falloir que tu fasses. Non, c'est pas encore. Pas encore. Attends. Attends. Ça fait le dit. Mais non, mais je ferais pas comme ça, putain. Mais tu peux pas, trave, j'essaie. Oh putain. Je comprends, alors j'ai pas, c'est une vieille boucle là, ça nous dit. Je crois qu'il faut que tu te prennes à droite là. Prends à droite. Mais c'est déboîté. Bon, sinon il y a une belle vue sur le strip, tout va bien. Et les montagnes. Au calme. Dans le désert. Il fait trop chaud. Attends. Ok, bon, on arrive à Target, on l'a fait, enfin on l'a fait, on y est presque. Elle commence à maîtriser la bête. C'est là? Ouais. Bon, donc là on vient de faire des petites courses et Yasmina a acheté plein de trucs, plein de bonbons et tout d'ici pour amener. Donc voilà, et on a fait des petites courses aussi pour nous, pour le reste de la semaine, quoi. Donc voilà, on passe à la caisse et il y a plein d'autres magasins à côté, donc on va aller voir ce qu'ils ont, quoi. Donc là, on vient de remonter dans la voiture. Cette fois, c'est Yas au volant. Ouais, cauchemar pour elle.
Et là, donc, on repart au magasin Outlet où on était il y a 2 jours, quoi. Parce qu'on veut, on veut un peu finir le shopping. Il y a plein de magasins qu'on n'a pas le temps de faire. Donc, et on a faim, donc on va manger. On va repartir manger au Cheesecake Factory là-bas. Bah oui. C'est parti. C'est parti. On est bloqué dans les embouteillages. Donc c'est un peu pénible parce qu'on a faim. On a vraiment faim. Donc du coup, tout à l'heure on avait fait des courses, on a acheté du houmous et des carottes. Donc du coup on a fait péter le houmous et les carottes, quoi. On pouvait pas attendre, quoi. Donc bon bah voilà quoi, on est à peu près à 10 minutes du shopping. Donc Polnareff à Las Vegas. Bon, on vient d'arriver au centre commercial. On va aller manger au Cheesecake Factory encore une fois. Parce que pourquoi pas, quoi. Et puis on va finir toutes les choses qu'on a achetées. J'ai encore des trucs à acheter pour mon fils et tout. Donc, donc on va finir ça et tout. Et puis voilà. C'est tout. Sinon, il fait super chaud, quoi. Hyper chaud. Mais il y a un petit vent, donc ça va, quoi. Donc, on a mangé. On a encore été au Cheesecake Factory. Je sais pas si vous voyez. C'était bien bon. Et on a encore dégénéré avec un cheesecake aux Oreos. Et la main des conneries. On est blindés encore et on a du shopping à faire, je crois, pour nous. Donc voilà, c'est parti. Bon, alors là, on vient de rentrer à l'hôtel. On a rangé nos affaires, tous nos achats encore. Il y en a partout, 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 partout. Partout dans les valises, dans les placards, ça déborde de partout. Je sais pas comment on va faire pour tout ramener. Pour tout ramener, mais bon, c'est pas grave. Donc là, on sort pas ce soir parce que on est trop fatigué. Et demain matin, faut qu'on se réveille tôt parce qu'on part au Grand Canyon. Donc on a de la route à faire. Parce que c'est bon, c'est pas assez loin quand même. Hein. C'est même pas dans le même état. On est au Nevada. Et on va dans l'Arizona, donc bon, voilà. Donc on va se réveiller tôt et tout. Donc là, on a pris notre douche. Enfin, la ville est en train de se doucher. Moi, j'ai pris ma douche. Et on va se faire un petit masque. On a acheté ça aujourd'hui. De la marque Skin Food. On en a acheté plein. Donc voilà, c'est des masques en papier, en fait. Donc c'est hyper, hyper hydratant et il n'y a pas besoin de rincer ou quoi que ce soit. Moi, je pense que je vais faire celui-là ce soir, au yaourt. Et voilà, on va regarder un petit peu la télé, puis dormir. Donc voilà, bonne nuit, à demain pour de nouvelles aventures. Demain, direction le Grand Canyon, trop excitée. Moi, j'y suis déjà allée. Nabila, elle n'y a pas été encore, donc elle va kiffer. Et puis, en plus, là-bas, on va filmer une vidéo, un Get Ready, en mode un peu cow-boy et tout, ça va être marrant. Donc voilà. Donc voilà, bonne nuit.